Objectif salubrité pour l'enceinte du CSPS du quartier Boissa de Ouagadougou. C'est l'œuvre d'une association pour contribuer à offrir au personnel et usagers des lieux un cadre propice à la promotion de la santé. Entre autres, il s'agit de réduire le flux de moustiques et autres nuisances du centre de santé. Sur la journée tenue le 25 août dernier, le reportage de Amadou Marcel Do. CSPS de Boissa, le temps d'une opération de salubrité. L'ambiance est au rendez-vous, des hommes et des femmes mobilisés s'activent pour rendre plus propre le centre de santé. Munis de pelles, de dabas et de machettes et autres matériels nécessaires, ils désherbent, défrichent et nettoient ensemble. En somme, ils débarrassent le CSPS de ses impuretés à l'initiative de l'association Tchédouanien ou l'Union. L'activité, c'est d'assainir le cadre de santé. Vous savez que dans cette période, les herbes et puis les flaques d'eau constituent des sources d'hébergement, des nids de moustiques. Donc c'est pour débarrasser de tout ça, que nos malades ne puissent pas venir vouloir se soigner et repartir encore avec des maladies. Une action salvatrice avec l'engagement du personnel de santé. Et pour les responsables du CSPS, cette opération vient répondre à une de leurs préoccupations majeures, à savoir l'assainissement et l'hygiène de leur cadre de vie. Ce qu'ils ont eu comme initiative là, c'est que ça répond à nos objectifs, comme ce que la hiérarchie même l'a recommandé. Il faut peut-être identifier et procéder à la dissection. Cette séance de salubrité marque la deuxième de l'association Tchédouanien au sein du CSPS de Boissa. Elle entend organiser dans les jours à venir des formations en saponification et en fabrication de pain coco donda au profit des femmes.